I've been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored to find who I am, and I've been taking all the time. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais peut-être allumer un petit peu quand même, même si je suis pas sûre que ça change grand chose. Je rajouterai de la luminosité au montage, mais voilà, il fait pas super beau aujourd'hui. Donc j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés de février et de mars. En février, j'avais pas beaucoup de colos, et ce mois-ci on est déjà en avril, hein. Mais au mois de mars, j'ai pas eu grand chose non plus, étant donné que j'étais en temps complet. Et j'ai eu pas mal de soucis avec mes canals carpiens, donc j'ai pas vraiment beaucoup colo. Donc je vais vous montrer tout d'abord celui qui était un enfer pour le mois de février. Donc dans le Mythomorphia, vous allez me dire, je l'ai recollé, hein, parce que j'avais l'édition plume. Donc vu qu'elles sont détachables entre guillemets, hein, voilà, les miennes se détachaient, donc... j'ai recollé donc mon dragon, voilà, donc, c'est recollé, mais bon, voilà, c'est recollé, basta. Parce que en plus les livres ne font pas la même taille, donc j'ai dû découper, j'ai dû découper mon colo pour que ça rentre quand même mieux, mais bon, c'est pas ouf, mais ça ira très bien comme ça, hein. Les prochains colos seront faits dans celui-là et basta, parce que voilà, j'ai pas envie de me retaper ça. Et encore moins celui-là. Donc voilà, le colo dragon, c'était pour le challenge de Julie Nueva pour le mois de février, donc, si je ne m'abuse. Donc j'ai utilisé du Neocolor 2, du Lumocolor jaune, Prismacolor essentiellement. Qu'est-ce que nous avons aussi? Comme d'hab, je n'ai pas noté, hein. Du stylo gel paillette, hein, on en a un petit peu partout. On a aussi de l'encre argentée de Winsor & Newton que j'ai mis avec une plume. Voilà. Mais, sinon c'est du Prisma, Prisma en majeure partie. Donc oui, il m'a pris énormément de temps. J'ai mis un petit peu de glossy accent dans l'œil, je ne sais même pas si vous l'avez vu. Enfin mais bon. Je voulais les couleurs à peu près de 6 ou de dans Raya le dernier dragon. Voilà, je voulais un petit peu faire un petit rappel. Ce violet, ce turquoise, enfin voilà. C'est ce que je voulais. Je l'aime beaucoup. Mais voilà. Il m'a pris tellement, tellement, tellement de temps. Il m'a un petit peu écœuré. Hein. Parce que j'ai pas pu faire d'autres colos que lui, donc ça m'a un petit peu frustrée. Voilà, c'est le colo de la frustration, celui-ci. Donc voilà pour celui-ci. Mais voilà, si vous voulez vraiment acheter une Mythomorphia, prenez-le en édition polonaise. Hein. Ne prenez pas la version plume, je vais m'asseoir un peu quand même. Voilà, je serai mieux. Donc, hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai colo après, celui-là? Je sais même plus ce que j'ai commencé. Si, je crois que j'ai fait la coloriste dans le World and Times de Christine Caron. Donc, je ne l'ai pas colorié dans le bouquin, hein, parce que papier caca, voilà. Donc, c'est celui-ci que j'ai mis en couleur pour Colorimi. Alors... il est là-dedans, normalement, voilà. Donc on devait faire un colo avec nos traits, nos propres traits. Donc là, voilà, niveau couleur de cheveux, couleur de peau, les yeux, enfin voilà. Un colo qui nous ressemble. Le fond, je l'ai fait avec les pastels, il me semble, pastels secs Mungyo. Sinon, c'est du Prisma, peut-être un peu de poly, oui, poly, polychromos. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Stylo noir pour faire les cils.
Et les cheveux, je crois que c'est du poli aussi. Je sais même pas. Non, je pense pas que j'ai noté celui-ci. Il faut vraiment que je reprenne cette habitude-là. Mais... Ah si, j'ai noté. Donc les cheveux, c'est du poli. Le visage, c'est du Prisma. Les yeux polis, les lèvres polies, le gilet poli. Le caraco, c'est du poli. La tasse Prisma, les crayons Prisma, le livre Prisma, le fond pastel sec Mungyo. Voilà. Si, j'ai noté, vous voyez. Waouh. Donc voilà. Et un petit peu de... C'est quoi? C'est du jelly roll que j'ai mis dans les yeux, je sais plus trop. Voilà. Ma petite coloriste... que j'aime beaucoup. Hop. Voilà, ranger. Ouais. Avant de faire un carnage. Hop. Ensuite, je suis allée dans mon Flower and Sweet Girls. Voilà, donc parce que je voulais... Bah, ma soeur l'avait commencé. Ça devait être pour le challenge du mois de mars de Julie Nueva, parce que c'était pour faire un humain. Je crois que c'est ça, fallait faire un portrait ou un truc comme ça. Mais finalement, on nous avait dit oui, finalement, après c'était non. Donc, bah, finalement, bah, on a quand même voulu le faire, parce que voilà, on avait choisi de faire ça, on nous avait dit oui. Donc on est parti dessus, donc en plus ma soeur l'avait commencé, donc... Mais j'ai mis du temps avant de pouvoir le faire moi-même. Mais ça y est, il est fait. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Néocolor 2 pour le fond avec le blanc, c'est quoi? L'Arcistro, je sais même pas. Ça, je l'ai pas noté, je pense pas. Alors, Néocolor 2 pour le fond, Artistro, voilà, oui c'est de l'Artistro. Et les étoiles, tout ça, tout ce qui brille, c'est de l'hybride de chez AliExpress. D'ailleurs, je ne vous avais pas montré lors du haul. Je suis en train de me dire, j'ai zappé de vous les montrer lors du haul. Où est ma trousse? Je me suis surpris, j'en avais déjà, j'en avais 8, je crois. Et je m'en suis repris... Non, j'en avais 12 peut-être. Mais ça tient pas, ça m'énerve. Vu que les stylos sont pas ronds, mais ils sont triangulaires limite. Donc je me suis repris des hybrides parce que j'avais déjà terminé mon doré. Donc je me suis repris voilà. Ces hybrides-là. Est-ce que j'ai un nuancier à vous montrer? Normalement oui, mais où est-il? Bordélique un jour, bordélique toujours. Voilà. Normalement je les ai mis dedans. Alors voilà, c'est ceci. Mais bon, avec la luminosité de fifou qu'on a. Se rapprocher au maximum. Et voilà, donc c'est les hybrides d'AliExpress. Je vais essayer de penser à vous mettre le lien si vous voulez dans la barre d'infos. Mais voilà, j'avais fini mon doré du pack précédent qui était voilà, celui-là. Donc je m'en suis repris un petit lot. Voilà. Parce que bon bah je les utilise vraiment beaucoup les hybrides. J'aime beaucoup ce noir noir cerise. Mais bon, voilà. Donc je me suis repris ce petit pack et c'est avec ça que j'ai fait donc mes étoiles, les pistils, enfin le cœur des fleurs. J'ai encore utilisé du stylo noir pour refaire les... J'utilise les microns, soit les microns, soit les Faber-Castell. Sinon ça a été fait avec du poli. Les cheveux, ouais c'est poli. La peau Prisma. La robe polie, les fleurs polies et hybrides, la fenêtre avec les drawings. Je vais peut-être dézoomer par contre.
Là, pareil, sur cette page-ci, bah, j'ai utilisé beaucoup de stylo gel. Donc là, c'est que les hybrides voilà, AliExpress. Hein, voilà. Sauf pour le rouge. Ça, c'est peut-être celui d'Action. Quoique, non. J'en avais pas dans le pack d'avant, maintenant j'en ai un. Donc non, c'est celui des... c'est celui d'AliExpress. Mais voilà, poli. Prisma, ouais, uniquement pour la peau. Mais voilà, j'aime pas, voilà, ce qui, voilà. La transition, elle est pas terrible. Et cette fois-ci, j'ai pas fait la petite chibi correspondante. Là, je l'avais faite pour mon premier, mais j'ai pas fait celui-ci. Et c'est laquelle, la Chenille Plumose. C'est celle-ci. Va falloir que je la fasse, mais j'ai pas gardé mes crayons sortis et j'ai pas noté les combos. Mais donc voilà pour celle-ci. Mais bon, j'aime pas le papier. Voilà. Le papier est pas terrible, hein, franchement. Mais bon, le livre est tellement bien. Ensuite, j'ai fait un colo dans le bloc en famille. C'est seulement mon deuxième. Et je l'ai fait pour le colo en commun de Colorimi du mois de mars. Je sais pas où il est. Normalement, je l'ai remis dedans. Voilà. Je voulais faire un colo aussi pour le challenge d'Elise. Donc, team réponse. Vous aurez compris. Donc, j'ai fait celui-ci. J'avais fait du caca dans les fleurs. Là. Normalement, il y a les mêmes petites fleurs un peu partout derrière. En haut, là. Et en bas, et j'ai fait un petit peu du caca, donc j'ai recouvert avec de la peinture acrylique. Voilà. Sinon, ça va être le or Colorex. Non, PBO. C'est le. J'en ai deux. Mais il y en a un que je trouve pas très très opaque. Donc j'ai le or antique et. Enfin, le or antique est bien opaque que celui-ci, ça c'est l'or basique. Je le trouve moins opaque et du coup il fait beaucoup de traces, enfin je sais pas. J'ai aussi utilisé du Stickles, donc c'est le cristal il me semble, que j'ai utilisé. Encore du stylo gel hybride AliExpress. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté? Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté le fond, ça a été fait au Drawing et Prisma. Oui, les dorures, donc c'est du PBO. Couronne, stylo gel, Ali, les stickles cristal. Les cheveux, c'est au Prisma. La peau au Prisma, les lèvres au Prisma pour la maman. Pareil, les yeux, j'ai encore rajouté des... J'ai rajouté les cils parce qu'ils n'en avaient pas. C'est du... Oui, sinon c'est du Prisma, c'est du Prisma. C'est du Prisma. Là, j'ai merdé, je sais pas... Je me suis trompée dans les couleurs, je crois. Mais bon, on va rien dire. Je me suis trompée au niveau de son épaule, il me semble que là ça devait être en beige ou enfin. Et dur de trouver une photo où il a le même ensemble, enfin c'est compliqué. Hein. Mais voilà pour celui-ci, ouais. Prisma Drawing. Ouais, je vais pas utiliser poli pour celui-là. Mais pas mal de stylo gel et de stickers. Donc c'est bien, ce bloc avance. Loul. Hop. Et il m'a fait rapporter un peu de points pour ma team. Voilà, pour le challenge Disney. Princesse. Challenge princesse de d'Elise. Ah bah ça y est. On a fini pour les colos. Je vais vous montrer mes encours. J'en ai déjà terminé un pour le mois d'avril, mais bon, j'en ai un que j'avais commencé au mois de mars, hein, forcément. Mais bon, je l'ai seulement fini avant-hier soir, hier, enfin, je sais plus. Mais bon, je vais vous montrer les encours que j'ai. Donc, j'en ai un dans le Fairy Touch of Magic que j'ai commencé il y a belle lurette. Voilà. Et je trouve qu'il avance pas plus que ça. j'ai juste fait quoi? J'ai juste fait mes fruits. Mes fruits, le fauteuil, j'ai fait. Si, peut-être j'ai fait les arbres aussi. Ouais.
Et bah le fond aussi, on est au color 2, mais il va falloir que je retravaille ça. Mais voilà, pour celui-ci. Pareil, j'ai pas noté mes combos pour les feuilles, machin. Quand je l'avais commencé, puis je l'ai repris longtemps après. Et sinon, en ce moment, je suis en train de faire un petit, une petite mini dans le petit carré Babies. C'est pour un colo commun, un colo commun Facebook. Donc là, j'ai juste fait le fond avec des encres d'AliExpress. Je vais revenir travailler avec des stylos gel, bien entendu. On va mettre des paillettes. Et sinon, j'ai sorti mes Black Widow. Pour après vous dire quelle boîte c'est, enfin vu que je les mélange tous, je vais pas savoir vous dire. Mais bon, j'ai la scorpion, la cobra et l'araignée. Et les skin tones. Voilà, celle que j'ai. Bon, je suis en train de faire ça. Ça devrait être fini. Je pense que ce soir elle sera finie. Je l'espère. Donc voilà pour mes encours. J'espère que je vais pouvoir colorier un petit peu plus là en ce moment, vu que je suis en vacances. Là, je suis en vacances une semaine, je reprends une semaine et ensuite j'ai 2 semaines de vacances. Donc j'espère que je vais pouvoir voilà, me remettre un peu dans le colo, même si voilà, j'aime bien faire d'autres choses quand même. Alors, on va pas se le cacher, il y a des moments où j'ai vraiment trop mal à ma main, où c'est comme un gros choc électrique à l'intérieur, où vous avez l'impression que vous avez un ligament ou quelque chose qui claque. Ou vous sentez plus vos doigts, ne serait-ce que quand je conduis, voilà, j'ai tous les bouts où je les sens plus, où ça pétille, c'est plein de fourmis, enfin c'est génial. Mais bon, je me vois pas me faire opérer actuellement avec un petit bout à la maison. Voilà, je ne vois pas comment je pourrais faire pour continuer à la porter, sachant que je suis au 2e étage, je vois pas comment je pourrais faire. Donc ça va attendre un petit peu. Je peux passer en second degré. Je mets mes attelles. Dès que j'ai un peu mal, je les mets, ou surtout la nuit, ça me soulage pas mal. Sinon, bah, la nuit, bah, je ne dors quasiment pas, parce que bah, je suis obligée de secouer mes bras pour essayer de faire circuler, ou mettre mes mains dans le vide, enfin pour que le sang circule, enfin qu'il aille bien jusqu'au bout des doigts. Mais bon, c'est, et ça monte jusque dans les coudes, jusqu'aux épaules, c'est pas très agréable. Donc voilà, j'espère ouais, que je vais pouvoir colo un peu plus. D'ailleurs là, je vais me poser colo, je vais ranger tout mon bazar là et me poser, finir, essayer de finir la petite mini devant le live de Taz Nemo Colo. Et voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, des bisous, ciao. Let me back to you.